Cette semaine, je teste pour vous le tracker Bluetooth Mint. Je vais le perdre en forêt, puis je vais essayer de le retrouver. Le Mint, c'est un tracker Bluetooth. Ça sert soit à repérer ton téléphone ou repérer, peu importe, sur quoi tu as attaché ton Mint. C'est un petit dispositif métallique, pas très épais. La batterie est interchangeable, ce qui est une bonne chose parce que la plupart de ses compétiteurs, ça ne l'est pas. Il y a deux batteries déjà incluses dans le paquet et chacune des batteries pourrait durer un an. Avec une petite chaînette, on peut attacher après son porte-clés, son portefeuille, son sac à dos. On peut repérer son téléphone juste en laissant notre doigt appuyé sur le bouton. Le téléphone va se mettre à sonner. Quand je lâche, ça arrête. Même chose pour retrouver le Mint. Donc, un petit bouton ring, laisse enfoncer. Par contre, le son n'est pas très fort, donc j'imagine que dans un endroit bruyant, ça serait difficile de le retrouver. On peut contrôler notre appareil photo sur notre téléphone avec ça. On peut aussi contrôler la musique de notre téléphone. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je peux le retrouver dans le bois, alors j'aurai besoin de sable. Bon, fait que Jeff, juste pour toi, je me gèle les mains, le nez, la face sur la piste cyclable pour aller cacher ton bidule. J'espère que j'ai trouvé une bonne cachette. Par où? Ce serait bien trop facile. Par où? On va aller voir, voir. Ouh, peut-être que là. Ah, il va falloir que j'enjambe ça. Oh non! En dessous. Oh. Là, c'est assez loin, Jeff. Je vais te cacher ça ici. L'instrument! En tout cas, moi, je retourne pas là, la chercher certains. Bon, comment ça fonctionne, c'est que lorsque le téléphone perd le contact avec le Mint, donc par le Bluetooth, c'est supposé d'enregistrer la donnée GPS, puis c'est supposé de faire ça apparaître dans la map sur le téléphone. Donc là, on voit marqué déconnecté. Si je fais map, donc là, mon portefeuille serait là. Cliquez dessus, navigate, Google Map. Donc il serait là. On va aller chercher ça. Ok, j'ai trouvé une façon d'afficher mieux la map. Fait que là, quand je tourne, je vais voir dans quelle direction je pointe. Je pose un bien. Donc là, il serait pas mal par là. Donc dans le bois, c'est ça. Ok. Je pense qu'il va commencer à être alerte parce que je sais pas si c'est super super précis. En tout cas, ça sera un peu plus par là-bas. Elle est trouvée! Vous voyez, j'ai un peu dépassé. Donc, j'ai l'impression que le point qui est enregistré, c'est le point où il a perdu la connexion Bluetooth. Donc, c'est logique qu'elle ait perdu un peu plus loin là-bas. Le portefeuille. Il est juste ici. Check dans le portefeuille. Voilà. Donc ça fonctionne. Je pense que il y a quoi 3 mètres avec un perdu. Bon, 4-5 mètres avec un perdu. Donc t'as un bon rayon de 4-5 mètres où il faut que tu regardes. C'est à peu près ici. Donc à peu près dans ce coin-ci. Puis le portefeuille se retrouvait où le sapin là. Donc c'est un succès, ça fonctionne. Bon, on pourrait peut-être pas, mais après avoir filmé. J'ai sûrement échappé, moi. Pas bien, j'ai retrouvé, là, mais... Vous me croirez pas, là, mais après avoir filmé la fin de ma vidéo, je me suis rendu compte que j'avais plus mon cellulaire. Donc on retourne au point de départ, je vais encore tester la fonction
pour trouver mon téléphone maintenant à partir du Mint. Normalement, j'ai juste à m'approcher à peu près d'où que je pense que je l'ai perdu. Si je pèse sur le bouton, je le laisse enfoncer. Le téléphone devrait sonner. J'espère que je l'ai pas perdu trop loin. Là, je suis à la même place où il y avait le portefeuille tantôt. Eh oui! C'est un peu pathétique, j'avais perdu mon cellulaire. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, faites un j'aime, abonnez-vous. On se voit la semaine prochaine. Ça va tellement shaker que tu prendras aucune de mes prises. Ok! Salut! Laissez-moi pas avec une caméra dans la main! Ouf! Non, pas ça.